Madame Gouget, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente pour les internautes qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes l'auteur du livre « Danger, additif alimentaire » qui s'est écoulé en France à peu plus de 180 000 exemplaires. En Europe et dans le monde, on est à 400 000 exemplaires environ. Il est traduit dans 4 langues étrangères. En fait, il est en français depuis 8 ans, en hollandais, je pense, depuis 6 ans, en espagnol depuis 5 ans, en italien depuis à peu près 4-5 ans et en Roumanie depuis presque 2 ans. Et j'espère avoir d'autres langues. L'espoir, c'est d'informer petits et grands dans plusieurs continents sur les effets secondaires des additifs alimentaires, puisqu'on a droit à cette information et on a droit à décider d'en manger ou pas. Donc. Alors, on va éplucher plusieurs sujets avec vous. Tout d'abord, on va attaquer avec l'actualité. Vous avez sans doute vu les récentes décisions de l'Union européenne concernant le maïs OGM en France. Alors, on peut également parler de la réintroduction des farines animales. Alors, quel est votre sentiment sur ce sujet ? Alors pour les OGM, en France on dit pas tout, on dit attention dans les champs, c'est pas bien la dissémination, etc. Certaines grosses associations qu'on appelle ONG ne veulent pas parler des OGM dans la nourriture à part dans le lait et la viande. Et en fait aux États-Unis on a Jeffrey Smiths qui est quelqu'un qui dénonce les OGM depuis des années, qui a fait beaucoup de films sur la santé des enfants, les OGM. Et l'année dernière il y a eu Genetic Roulette. Et sur le site de Jeffrey Smiths, il y a même un PDF avec un carnet avec toutes les marques qui pourraient contenir des OGM et cette fameuse liste d'additifs alimentaires qui pourraient aussi en contenir. Donc celle-là, je l'ai imprimée en grand et je l'ai plastifiée. Et il y a 100 additifs qui pourraient contenir des OGM, dont l'aspartame et le glutamate monosodique, entre autres. Et ça fait beaucoup. Et ça, les Français ne sont pas très bien informés. Donc moi, je ne suis pas pour les OGM. De toute façon, toutes les preuves scientifiques sont là, comme quoi c'est mauvais pour la santé, aussi bien des animaux que des humains et pour l'environnement. Maintenant, je suis pour la libre information et pour que les gens soient conscients qu'ils mangent quand même des OGM à leur insu dans l'alimentation industrielle. Est-ce que ça vous évoque le fait que l'Union européenne soit revenue sur ces décisions alors qu'ils les avaient supprimées au préalable? Mais en fait, on sait très bien que l'Union européenne souffre d'une maladie qui s'appelle conflit d'intérêts et que derrière l'Union européenne, il y a les lobbies qui travaillent avec Monsanto et on ne va pas dire la vérité. Donc ça sera le yo-yo, un coup on dit oui, un coup on dit non, un coup on dit oui. Et le français moyen qui n'est pas bilingue, parce qu'en général les Français ne parlent pas l'anglais, n'ont pas accès à toutes ces informations internationales et donc dans le doute, ils continuent à manger. Et les OGM, oh, c'est rien. Donc voilà, et là ça prend des proportions incroyables parce qu'on m'a dit ce matin qu'en Amérique latine, on met des grands panneaux publicitaires en disant on est pour la biodiversité. Et derrière, c'est des gens qui travaillent avec Monsanto. Et après, il y a plein de films, hein, Le Monde selon Monsanto, Génétique Roulette, Tous Cobayes et compagnie. Mais les gens ne sont toujours pas conscients du fait qu'ils en mangent à leur insu. Est-ce que le grand marché transatlantique qui va avoir lieu, donc c'est en discussion entre les États-Unis et l'Union européenne qui devrait voir le jour en 2015, est-ce que selon vous ça pourrait accentuer tous ces problèmes? Tout à fait. Il faudrait que ça soit empêché, mais est-ce qu'on va y arriver? Moi j'estime que il faudrait que les gens prennent conscience rapidement, le plus tôt possible cette année, de ce qu'ils mettent dans leurs assiettes et ce qu'ils boivent, ce qu'ils prennent aussi comme médicaments, ce qu'ils mettent comme cosmétiques, et puis qu'ils essayent de retourner aux sources et de se fournir localement si possible, de boycotter ces grandes marques, parce que comme le dit Colin Serrault dans son appel au boycott, ces géants ont des pieds en papier crépon. Tout le système n'a été qu'un système de pompage du fric et des richesses du peuple pour les donner aux multinationales. Ça a été vraiment, c'est le but du système. La deuxième chose que les gens ne savent pas, c'est leur puissance à eux, consommateurs, aux petites gens, à tous, pour vraiment éradiquer ce problème. C'est-à-dire que la puissance du consommateur, les multinationales, c'est des géants avec des pieds, mais c'est même pas d'argile, c'est des pieds en papier crépon. C'est-à-dire que la minute où vous décidez de ne pas acheter, ils sont cuits. En 24 heures, ils sont cuits. Donc ça aussi, ça fait partie des grandes actions qu'on peut mener, parce que les élections, ils s'en foutent. C'est des valets, ils ont que des valets qui sont élus, qui sont à leur botte, que ça, droite, gauche, ils sont tous à leur botte. Par contre, nous, les petites gens là, ceux qui achètent, ceux qui vont dans les supermarchés, on a un pouvoir, on peut les faire tomber comme ça. La minute où vous achetez plus, ils perdent votre argent, mais si des millions de gens s'y mettent, eh ben, ils tombent. Donc la bonne nouvelle, c'est que la société la plus dangereuse au monde, c'est Coca-Cola, avant Nestlé,
Coca-Cola, selon l'association Killer Coke aux États-Unis, avec qui j'ai fait une émission de radio récemment, eh ben, c'est des gens très très puissants, mais ils perdent de l'argent. C'est-à-dire que les ventes de Soda Light aux États-Unis ont chuté dramatiquement, et c'est prévu de chuter jusqu'en 2018. Donc pendant ce temps, ben, cette société sort une boisson qui s'appelle Coca Life en Amérique latine, en disant, voilà, c'est une étiquette verte, etc., pour avoir un nouveau produit, pour se rattraper aux branches. Mais là, du coup, vraiment, donc il y a quand même une prise de conscience. Il faut vraiment que les gens achètent autre chose et mangent autre chose. Bien. Est-ce que de manière générale, les allergies en rapport avec l'alimentation sont en augmentation? Alors oui, bien sûr, on a de plus en plus de gens allergiques à des tas de molécules. Donc il y a plusieurs types d'allergies. Il y a souvent des gens qui sont allergiques au gluten. Donc ça, c'est à cause de la modification ces 50 dernières années de la molécule du blé, qui provoque des tas d'intolérances. Il y a aussi l'allergie aux produits laitiers, aux arachides. Certains vont faire des allergies aux œufs. On pourrait se demander pourquoi, est-ce qu'à manger la poule et compagnie. Il y a même des gens qui font des allergies aux épices comme la vanille, et d'autres qui font des allergies aux huiles essentielles comme la menthe, par exemple. Mais aussi, il faut savoir que de nombreux naturopathes en France expliquent que des vaccins peuvent engendrer des allergies, des intolérances ou des allergies. Donc après, il y a aussi des gens qui ont consommé pendant des années de l'aspartame. J'ai des cas précis à Paris qui ont déjà témoigné sur des médias libres. Et une fois qu'on a consommé pendant 15-20 ans ou moins d'aspartame, on développe une intolérance aiguë aux produits toxiques, chimiques. Donc c'est une forte allergie, par exemple, au glutamate, au colorant dans les cosmétiques, etc. Et ça, c'est à vie, parce que le système immunitaire a été endommagé, et là, c'est une très forte allergie qui peut être fatale. Donc quelqu'un qui est allergique au glutamate peut faire un œdème de Quint 10 minutes après ingestion, mais il ne le sait pas toujours. Qu'est-ce que c'est un œdème de Quint? Ben c'est en fait, c'est le gonfle, 10-15 minutes après, la personne commence à avoir des nausées, le visage qui gonfle, la langue et la gorge qui gonfle. Et du coup, sous l'effet du gonflement, la personne s'étouffe et peut mourir. Donc ceux qui sont allergiques à ça le savent et ils cuisinent tout ce qu'ils mangent en évitant toute source de glutamate, mais c'est assez compliqué. Et ceux qui ne sont pas allergiques ne sont pas toujours au courant, comme certains qui vont manger au fast-food. Et s'ils prennent deux hamburgers et que c'est un ado qui a fait du sport dans la journée, il va être beaucoup plus sensible que ses parents à l'effet du glutamate dans le fast-food, et peut mourir le lendemain de problèmes cardiaques ou neurologiques. Vous l'avez pas cité, mais les arachides sont la cause de nombreuses allergies. Voilà. Il y a plusieurs années, les arachides étaient un des premiers allergènes. Maintenant, il y a un autre gros allergène dont on ne parle pas. Un des 8 plus gros allergènes au monde, c'est le soja. Mais justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce que vous pensez du soja et des produits dérivés au soja, donc le lait, les yaourts au soja, etc. Alors, j'ai la chance de parler l'anglais et d'être en relation avec le professeur Russell Blaylock, qui m'avait expliqué il y a 10 ans déjà que le soja, fallait surtout pas en consommer pendant la grossesse, c'était très dangereux pour les femmes enceintes. Et à l'époque, j'aidais une femme enceinte qui prenait de l'aspartame pour la désintoxiquer, mais elle a refusé mon aide, donc tant pis. Et je me suis dit, tiens, soja, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai découvert plein de sources en anglais sur les problèmes de santé liés au soja, mais très peu de choses en français. Sauf un vieil article qui avait plus de 10 ans chez Nexus. Et là, je dis, il y a un souci avec le soja. Donc, j'ai jeté mes 3 yaourts au soja que j'avais au frigo, qui étaient bio. J'en mangeais très peu. Je suis pas une accro à ce produit. Et j'ai commencé à me renseigner. Et il y a 3 ans, j'ai découvert le livre The Whole Soy Story du docteur Kayla T. Daniel aux États-Unis, qui ne fait que 450 pages, qui a 35 chapitres, et il y a entre 2 et 130 références par chapitre. Et donc là, j'ai dévoré ce livre à la place de dévorer du soja. Et j'ai dit, c'est très grave vu tous les témoignages qu'il y a à l'intérieur. Donc ça ferait beaucoup d'allergies au niveau intestinal, mais beaucoup d'autres pathologies, malheureusement. Et je me suis dit, je ne vais pas attendre que ce livre soit en français pour faire des conférences. Donc ça fait depuis 2011, j'ai commencé à faire des conférences sur le soja. Donc il y a 2 types de soja selon ma présentation. Le soja invisible, qui va se cacher sous les lécithines de soja, des codes 322 et compagnie. Donc là, Gilles-Éric Séralini, que j'avais rencontré lors d'une conférence, m'avait dit, quand on voit marqué lécithine de soja ou amidon de maïs transformé ou amidon tout court ou amidon transformé, ça pourrait être des OGM. Mais la lécithine de soja sert d'émulsifiant officiellement. Mais en fait, elle sert aussi d'apaisant parce qu'elle provoque une addiction. Donc tous ces millions d'enfants en France qui boivent du lait en poudre à la lécithine de soja, sans parler de ce qu'il y a à côté. Tous ces enfants qui mangent des biscuits avec une couronne sur la tête, avec un joli bonhomme sur le paquet bleu, c'est bourré de lécithine de soja.
Sans parler des brioches, des farines où c'est autorisé, du pain où c'est autorisé des fois, des pizzas surgelées, etc. C'est des millions de produits. Et là, ça pourrait être OGM. Maintenant, il y a le soja qu'on mange volontairement. Pour éviter la viande ou le lait par choix ou par conseil sur un pédiatre, il y a des millions de pédiatres en France qui ont conseillé les produits au soja pour des nourrissons parce qu'ils étaient allergiques au lait de vache et que la maman ne pouvait pas allaiter. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants de 10, 15, 20 ans, ou 19 ans, j'en connais un par exemple, qui ont été élevés aux produits au soja depuis tout petit, mais des fois aussi au Coca Light, on ne boit pas que du soja toute la journée. Donc j'ai eu affaire à une petite fille de 11 ans dont le papa m'avait contacté il y a 2 ans, qui était agoraphobe. La mère était bourrée d'aspartame depuis 18 ans. Et cette petite faisait des crises d'agoraphobie. Mais comme elle avait été désignée allergique au lait de vache toute petite et que la mère ne pouvait pas allaiter, le pédiatre a conseillé le lait de soja en poudre. Donc le frigo était rempli de produits à l'aspartame et de produits au soja. Et cette petite fille avait différentes pathologies liées aux deux. Et c'est très courant. Et donc du coup, ben, le soja, il vaut mieux arrêter le plus tôt possible ou l'éviter, même bio. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, mais je connais un naturopathe assez connu en France et qui est très sérieux. Et je lui ai dit, que pensez-vous du soja, monsieur? Il m'a dit, Madame Gouget, le soja transgénique, c'est du poison, mais manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu. Et là, j'étais très surprise. Je pensais qu'il allait me dire, oh, un petit peu, même fermenté traditionnellement, ça va, si c'est pas tous les jours. Et en fait, j'ai fait une dizaine de conférences sur le soja jusqu'à la semaine dernière. Et j'ai découvert que ben, beaucoup de gens étaient affectés par ce soja bio, que ce soit sous forme de lait, de saucisses, de tofu. Et tous les symptômes que j'ai répertoriés dans le livre du docteur T. Daniel, eh ben, je les ai vus sur des centaines de gens. Et là, ça me pose des questions, de graves soucis parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes de 30-35 ans qui en ont surconsommé sous l'addiction, l'effet addictif de ces produits, qui en mangent trop, c'est pas juste 2 fois par semaine, c'est tous les jours, matin, midi et soir, et qui perdent leurs cheveux, par exemple, sur le dessus de la tête. Qui perdent leur poil. Bon, chez un garçon, au moins, il a plus à se raser. Mais chez les femmes qui sont jeunes mamans ou qui ont 25-28 ans, là, qui ont mangé du soja depuis l'âge de 13 ans, qui se retrouvent avec une pelade générale, c'est-à-dire plus un poil, ni un sourcil, ni un cheveu, c'est très inquiétant. On parle beaucoup des additifs alimentaires, vous en parlez beaucoup, mais on parle assez peu des arômes naturels. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il est vrai que les arômes proviennent de moisissures et de champignons? Alors, il fut un temps, jusqu'à il y a 5-6 ans à peu près, où on voyait souvent marqué arôme artificiel. Et comme on commençait à parler beaucoup des arômes et du glutamate monosodique, le mot artificiel s'est évaporé comme par magie. Donc, on met arôme au pluriel. Jusqu'à il y a un an et demi à peu près, on voyait souvent sur les paquets de chips exhausteur de goût, 2 points, glutamate monosodique. Sur les plans en boîte de Merci William, on va dire. Il y a souvent marqué E621, E627, E631, etc. Vous avez une marque très connue qui fait des boîtes de toutes les formes de légumes en boîte en France, où là vous dites, ah, c'est des flageolets ou c'est des petits pois ou c'est des légumes. Et là, vous voyez 3 exhausteurs de goût dans une boîte de légumes. Donc ça fait beaucoup, seulement c'est marqué sous la boîte ou derrière en tout petit. Comme le glutamate monosodique fait baisser la vue, on ne va pas chercher le code 621. Maintenant, mon souci, c'est que de nombreuses marques de chips et de soupes en briques, ont enlevé aussi le mot exhausteur de goût glutamate monosodique pour mettre le mot arôme au pluriel ou arôme naturel, extrait de levure, maltodextrine. Et ces produits, pour la maltodextrine, ça contient une source libre de glutamate, mais arôme naturel, c'est souvent dérivé de moisissures ou d'écorce de bois ou de différentes choses, où on rajoute systématiquement 1 à 3 sources de glutamate monosodique dans le mot arôme. Donc si vous allez en Afrique, vous achetez un bouillon pas cher, une sous-marque, il y a marqué arôme entre parenthèses, E621, E637, E600 quelque chose, il y a 3 fois du glutamate. Mais comme les gens sont souvent analphabètes, malheureusement, en Afrique, et que c'est à la mode et qu'il faut cuisiner avec ça, on prend le pot, c'est pas cher, on va pas lire. Et ça, c'est abusé. Donc tout ce qui est arôme naturel, oui, contiennent du glutamate monosodique moins dosé que si c'était le glutamate pur. Alors l'extrait de levure, c'est le thème d'un très bon reportage qui était passé à la télé il y a à peu près 2 ans. Et ce qui s'appelle Poudres et potions de l'industrie alimentaire. Donc il est encore disponible sur Internet, c'était très bien fait. Et ces journalistes courageux ont dû aller filmer des scientifiques allemands pour qu'on leur explique que vraiment l'extrait de levure c'était du glutamate monosodique. En France, il n'y a pas un scientifique à ma connaissance qui va le dire. Et ça, c'est un scandale aux États-Unis depuis les années 85, avec un article de Jack Samuels, un grand spécialiste du glutamate à l'époque, qui est décédé depuis, et qui expliquait bien, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de glutamate. Et il y a tout un article qui explique l'histoire. Et donc, il y a des centaines de produits bio
qui contiennent cet extrait de levure, des soupes en sachet, des pâtés végétaux, des chips maintenant et d'autres produits. Et là, le consommateur, voit marqué bio, il consomme. Mais il va devenir accro, il va finir sa boîte de pâté végétal, par exemple, ou sa soupe, et il va aller en racheter sans savoir que c'est en fait du glutamate. Et ça, il faut bien l'expliquer aux gens. Très bien. Et justement, on entend beaucoup parler du glutamate monosodique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça contient concrètement et quels sont les dangers liés au glutamate? Alors, le glutamate monosodique a été introduit dans l'alimentation humaine en 1909. À la base, c'était des soldats américains qui avaient capturé des soldats japonais. Et ils avaient testé les rations des soldats japonais en disant, tiens, ça a un meilleur goût que les nôtres. Mais à la base, c'était fait avec une algue kombu. Et donc, c'était une algue qui était broyée pour donner du goût aux rations des soldats. Et très rapidement, une société qui s'appelle Ajinomoto s'est mise en place et a créé du glutamate monosodique, il n'y avait plus assez d'algues. Donc, c'est dérivé, c'est très bien expliqué dans le livre de Hans-Ulrich Grimm en français qui s'appelle Le mensonge alimentaire, aux éditions Trédaniel. Il faut le dire. Et donc, du coup, à la base, c'était dérivé de bactéries. Alors, je crois que c'est Corine Bacterium Japonica, un truc comme ça. En plus, on dirait mon prénom. Et là, on rajoute de l'acide aspartique, qui est la molécule commune avec l'aspartame. Et on rajoute depuis d'autres molécules derrière. Et malheureusement, c'est très bien expliqué depuis dans un livre de 2013 de Adrienne Samuels, la veuve de Jack Samuels. Et ce livre s'appelle « It was not Alzheimer, it was MSG ». Et dans ce livre, elle explique toute l'histoire du glutamate où on a rajouté d'autres molécules. Et il y a une page de ce livre où malheureusement, elle explique que le rôle du glutamate, c'est d'aggraver les cancers, voire de les provoquer. Donc si vous imaginez quelqu'un qui a pris 15 ans de sucrètes et des chewing-gums et des soda light, qui a déjà un cancer à cause de l'aspartame, c'est très bien expliqué aussi par le professeur Blaylock dans le film « The Beautiful Truth ». La tumeur cancéreuse au contact du glutamate monosodique qui passe dans le sang, qui est donc chimique, va croître comme un feu de paille. Alors que le glutamate naturellement trouvé dans les œufs, la viande rouge, les épinards, le lait maternel, etc., il est à très faible dose et on s'en sert, l'organisme s'en sert pour faire les neurotransmetteurs. Donc on en a besoin du glutamate naturel. Mais sous la forme de glutamate monosodique, les doses sont exponentielles. Et tous les 10 ans, ça a été multiplié par 2 ou 3 par l'industrie agroalimentaire. On ne sait même pas combien de tonnes ont été vendues aujourd'hui. Et donc, on se retrouve avec de plus en plus d'obésité, de diabète, de folie, de crise de démence, de Parkinson, d'Alzheimer, de cancer, d'arrêt cardiaque, d'AVC. Il y a de multiples symptômes et de migraines, etc. Mais seulement l'arôme et l'arôme naturel qui contient du glutamate ne se trouve pas juste dans les aliments, se trouve dans les tonnes de médicaments, de produits pour un bébé. C'est infini, on va dire. Aux États-Unis, on estime dans le film Sweet Remedy que plus de 90% des aliments en supermarché contiennent du glutamate monosodique. Et ça va même plus loin parce qu'il y a un fertilisant qui en contient 30% qui est pulvérisé dans certains pays en Europe et encore un petit peu aux États-Unis peut-être sur les fruits, les salades, les fraises, le raisin. On en fait du vin ou des confitures par exemple. Et là, vous vous retrouvez sans savoir pour les allergiques, avec un petit peu de glutamate monosodique par le fertilisant qui a pénétré dans le fruit. Et c'est très bien expliqué par encore Jack Samuels et Adrienne Samuels. Et sur mon site, dans article, vous allez sur santéendanger.net, il y a vidéo article. Et vous prenez l'article, le dossier que j'ai rédigé pour l'association Cousmine en 2011 et qui s'appelle « Des excitotoxines ». Vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir. Et là, j'explique l'histoire de cette fertilisant aussi qui, selon certaines sources américaines pour le moment, pense que c'est aussi une des raisons de la disparition des abeilles. Parce que les abeilles butinent ces produits testés au glutamate, il n'y a pas que la pollution environnementale et les OGM. Et donc ça détruit leur système nerveux et elles ont du mal à retrouver la ruche et elles n'y retournent pas. Et en France, on n'en parle pas, surtout pas, il ne faut pas déranger le lion qui dort. Et donc pendant ce temps, consommer, on a fait le parcours ensemble à l'instant. On a vu une grand-mère qui avait acheté une soupe très connue en briques pour les adultes. On a vu un jeune couple d'ados avec un paquet de chips. Et parce que c'est du marketing, ça brille, on a envie d'acheter. Il y a des enfants qui font des caprices pour manger des genres de produits comme ça. C'est un ruban de chewing-gum qui fait des fois 1,50 m à l'aspartame. Et puis on dit, c'est pas grave, on va acheter des bonbons bienfaisants. Et donc là, on va se ruer sur d'autres produits. Il y a aussi ce bonbon qui ne contient plus le mot bienfaisant aujourd'hui, qui est très connu, qui a vendu des bonbons à l'aspartame pendant des années. Là, il n'y a pas d'aspartame dans ce genre de friandises. Il y a de la gélatine de porc, des arômes et des colorants plus ou moins naturels. Et on va vendre des chewing-gums pour enfants.
Et là, du coup, les parents se disent, ah, c'est sans sucre, c'est bien. Et là, ça fait 35 ans que tout le monde connaît ce genre de produit. Ça fait plus de 40 ans que les maladies neurodégénératives augmentent, Alzheimer, Parkinson, AVC, schizophrénie, dépression, suicide. Et ça, c'est tout bien expliqué dans le livre While Science Sleeps du professeur Woodrow Monté, où il y a des tableaux entiers depuis la mise sur le marché de l'aspartame. Toutes ces pathologies ont augmenté, dont le suicide chez les jeunes, Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer du cerveau, etc.